بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges, le ciel qu'on vivant qui ne meurt pas, Allah en lesquels, il n'y a point d'être Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, et nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul d'une adoration. j'atteste la véracité et l'exemplarité de la prophétie de Mohammed Ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc euh, bienvenue dans un des jardins du paradis, jardin donc de dhikr qui est le sujet donc de notre live aujourd'hui. Même si on parle souvent que dis-je, on ne fait que parler du dhikr, cette euh, forme d'adoration qui réveille le cœur, c'est la nourriture du cœur dirait les spécialistes de la matière, un cœur qui est sans dhikr, c'est un cœur qui est mort. L'exemple d'un homme qui se rappelle Allah et d'un homme qui se rappelle pas Allah, c'est comme celui qui c'est l'exemple du vivant ou du mort. Où le prophète a dit également, la maison où on se rappelle Allah, la maison où on ne se rappelle pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. Les dignes de des loges. donc se posent des questions à savoir comment, pourquoi le prophète a dit ceci. On dit parce que là où on ne vit pas, c'est la tombe, ou plutôt il y a une vie spéciale. Et quand on se rappelle Allah, donc on vit dans ce bas-monde, une fois que l'on mort, qu'on est mort, on n'a plus donc euh, la possibilité de faire du écrans. C'est plus que les actions sont toutes arrêtées, sauf celles donc qui sont euh, les trois actions. Une science qu'on a laissée un enfant pieux qui prie pour nous et également donc une une sadakadiaria. Donc dans, la, dans, dans cette mesure-là, on se retrouve donc avec euh, une personne qui vit parce que son cœur vit. Quand il n'y a pas de écran, le cœur en fait il est en sommeil. Il n'est réveillé que par le décret, comme si c'était donc euh, quelqu'un qui dormait et qu'on réveillait, hein, qui est conscient. C'est pour cela que pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, puisque c'est le dix meilleur jour, troisième des 10 meilleurs jours donc de, de l'année, où il est fortement conseillé, après tout ce qu'on a vu la semaine dernière, grâce à Allah et qu'Allah nous en fasse profiter, c'est donc de profiter de son temps pour faire le maximum de choses qui nous rappellent Allah. Or le dhikr, c'est quoi Le dhikr, c'est la remémoration oubli ou indifférence fait qu'on a oublié Allah et Allah met sévèrement en garde les gens qui oublient Allah comme il le dit dans la sourate donc 59 al-Hashr verset 19 <t> ne <'en> <t 'en> soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah Allah fait que se sont oubliés eux-mêmes et voilà les pervers donc l'oubli d'Allah c'est ce qui conduit à la Perversion. le rappel d'Allah voilà tout de suite que la personne donc retrouve ses moyens retrouve la force que Allah accorde retrouve la présence d'Allah bien qu'il soit toujours présent par sa science il se retrouve juste conscient donc de la négligence dont il est l'auteur ou de l'oubli et le voilà donc Mubassir voilà quelqu'un qui est donc réveillé, quelqu'un qui voit très clairement par son cœur la réalité des choses donc le zikr en arabe, Zakara, c'est se rappeler, pour celui qui a oublié. Mais Zakara, Zikre également, ça peut être en fonction donc, de, du sujet. En effet, quand Allah dit Subhanahu wa Ta'ala dans ce verset où il ordonne, Surat al-Baqarah, 2, verset 152, Fadkuruni, rappelez-vous de moi. Adhkurkum, Allah n'oublie pas. Donc, rappelez-vous de moi et je vous mentionnerai. Donc, ça peut être, également être. Traduit par mention. Allah dit dans le Coran Wadhkurufil kitabi Maryam. Rappelle ou mentionne dans le livre Maryam. Alayha salam. Donc ça peut vouloir également dire le fait de mentionner quelqu'un pour que les gens s'en rappellent. Ça peut également vouloir dire de se remémorer quand on a oublié. Ça peut également vouloir dire de citer. Donc ça peut avoir tous ces, ces sens-là d'un point de vue étymologique, en hein, langue arabe. Mais religieusement, c'est le cœur qui est réveillé, le cœur qui est attentif, le cœur qui est conscient d'une chose, et la langue vient témoigner de cette lumière. Donc il ne s'agit pas de faire comme un perroquet, okay, de répéter donc, les choses sans en avoir conscience. C'est pour cela que le La ilaha illallah qui est la meilleure parole que Mohammed sallallahu sallam ainsi que tous ses frères prophètes ont dit, La ilaha illallah, par lequel qui est plus lourd dans la balance que les sept cieux et les sept terres, n'a vraiment de sens, n'a de pouvoir, n'a d'effet, n'a d'impact que si le cœur est présent et si on en comprend le sens. C'est pour cela que les huit conditions, parmi les huit conditions, c'est avant tout la science. Quand on dit la ilha, ilha, comme on trouve chez les griots de certains pays, en train de répéter, ils n'arrivent même, même pas jusqu'à Allah. La ila, c'est le contraire. De la ilaha illallah. La ilaha, c'est la négation pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité. La ilaha. Celui qui s'arrête là et qui en est conscient, ni l'existence d'Allah, ni l'existence de divinité. Et donc, on le trouve dans certaines chansons, malheureusement. Des gens qui veulent faire l'éloge d'autres que Dieu, Et on les trouve. Ils disent des choses comme ça, ils s'arrêtent dans différents dialectes. Et donc, ceci n'est pas. Il faut au moins en connaître le sens. Les zikr donc, c'est le cœur, même si. En pratique, puisque ce qui est dit par la langue, c'est par des gens qui sont conscients, on suppose, on espère même, que le cœur est présent. Et donc c'est devenu ce que la langue profère. Mais le zikr est beaucoup plus large que cela, religieusement parlant, c'est dans tous les états, dans tous les états. C'est ce que l'on emporte quand on est triste et qui amène la joie. C'est ce qui fait sourire, c'est ce qui apporte donc le réconfort. C'est ce qui, quand on pense qu'on est seul, on n'est pas seul, puisqu'on est en compagnie d'Allah. C'est ce qui l'on peut proférer tout en silence, à voix basse ou à voix haute, à condition que le cœur soit présent. Même si le cœur n'est pas présent, il reste néanmoins que on fait quand même des écrans en hein, bougeant, sinon ça devient de la méditation qui reste également dans le vécre en général. Donc le vécre, c'est le compagnon, c'est le compagnon du croyant. Le prophète, alayhi salatu Mais un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a dit à ses compagnons, est-ce que vous ne voudrez pas, ne vous indiquerai je pas, les meilleures de vos œuvres Ils ont dit, bien sûr, on imagine. Les œuvres qui sont qui plaisent le plus aux miséricordieux, les œuvres qui vous élèvent au degré le plus élevé, les œuvres qui sont meilleures pour vous que l'or, que de dépenser or et argent. Que dis-je Des œuvres qui sont meilleures pour vous, que de rencontrer l'ennemi que vous voulez taper sur la nuque et que lui, il veut vous taper sur la nuque. Ils ont dit bien sûr, Balaya Rasulallah, ou certainement au messager d'Allah, il a dit, Zikrullah. Hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim. Zikrullah, ou Hadith rapporté dans cette version-là plutôt, par Ahmad, par Tirmidhi, Tirmidir, ibn Majah, et par Al-Hakim. Donc ce sont des choses qui sont si importantes. L'œuvre la plus la meilleure des œuvres, il a dit, c'est le zikr d'Allah. subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire mentionner Allah, c'est comme ça qu'on le, on le traduit parfois, ou se rappeler Allah si on a oublié, et bien entendu toujours avec la présence du cœur, idéalement. Quand la présence du cœur est absente, quand il y a un défaut dans la présence du cœur, ça devient donc de la répétition, tout simplement, de la routine, comme beaucoup malheureusement. Ah oui, hier soir j'ai lu, j'ai lu Kulallah Ahad 3000 fois. Mais si c'est comme un drogué, si c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, qui est inconscient, j'espère que ça servira. Mieux vaut ça que d'occuper sa langue à la médisance, au mensonge, à tout ceci. C'est l'un des avantages, on pourrait dire. Faire beaucoup de dhikr, au moins t'évites de parler de choses futiles pour ne pas dire de péché. Et donc le dhikr est ce qui doit accompagner le croyant dans tous ses états.

Donc de la série de ces beaux versets, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, des signes pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui sont intelligents. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis ou couché, jusqu'à la fin des versets. Et donc c'est un jour meilleur qu'aujourd'hui. Bilal est rentré, n'était pas encore le Fajr. Il a trouvé le professeur Salam en train de répéter ces versets, en train de pleurer, en train de prier. Il a dit malheur, malheur à celui qui, après la révélation de ces versets, qui néglige de se rappeler à Allah Subhanahu Wa Taala. Et donc ce dhikr c'est la chose la plus précieuse de ce bas monde. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, dans ce qui a été rapporté également par l'Imam Ahmad Tirmidhi ibn Majah, le Prophète nous a dit en substance, n'est-ce pas que ce monde est maudit? Allah a donné n'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient. Ce monde est maudit. Maudit ce qu'il contient. Sauf le vikr d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Un savant, et un étudiant. À part ceci, ce monde est maudit. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait en dehors du rappel d'Allah, ce temps, Risque de témoigner contre nous, plutôt que d'être béni par Allah subhanahu wa ta'ala, qui bénit ce qu'il veut dans le temps, dans les dix jours donc que nous avons devant nous, incha'Allah, en tout cas les sept jours qui nous restent, dans le meilleur, et le dix, qui est le jour de l'Aïd al adha pour ceux qui ne sont pas donc, hein, au pèlerinage. Le neuf, qui est le meilleur, le Arafah, qui est le meilleur, donc, pour le meilleur jour de l'invocation. Et l'invocation fait partie des écrans comme on le verra, incha'Allah. Donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le meilleur jour pour les invocations. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. C'est le meilleur jour pour ceux qui sont à Arafat comme pour ceux qui ne sont pas à Arafat. On n'attendra pas le 9 parce que peut-être que certains ne le vivront pas. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est croire en lui. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est savoir qu'il entend. Invoquer Allah, c'est savoir qu'il donne. C'est savoir qu'il est généreux. C'est savoir qu'il est riche. Certains sont généreux mais sont pas riches. Il y en a d'autres qui sont riches mais ils sont avares, c'est généralement le cas. Et donc, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ça inclut tous ses attributs magnifiques et donc que lui seul possède subhanahu wa ta'ala, il est le seul riche. Il est le plus généreux. En réalité, il y a de générosité que de sa part. Tout bien fait qui nous vient, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre que l'invocation, c'est... L'adoration comme l'a dit le professeur Salam Ad-Dua al Ibada. Allah met même en garde les gens Qui s'enflent d'orgueil Et qui refusent de s'humilier Parce que quand tu invoques Allah C'est que tu t'humilies Tu montres ta pauvreté Tu montres ton indigence Tu montres ton besoin Ya Allah Oh Allah j'ai besoin de ça Personne ne peut me sortir de cette situation Personne ne peut me donner J'ai un besoin mais je m'adresse à toi seul Puisqu'il n'y a de riche en réalité que toi donc l'invocation rentre dans le dhikr sans pour autant que ce soit le, la seule façon de dhikr. Donc le dhikr a tellement de mérites. Ibn Qayyim miséricorde, il a écrit un livre Wabil qu'on dit la pluie providentielle où il met une centaine de mérites du dhikr. Une centaine de mérites du dhikr. Entre autres, le dhikr chasse, shaitan. Quand tu es en train de faire les choses, c'est souvent, quand tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi tu les fais, parce que tu auras oublié Allah, ou oublié la gravité de la chose, voilà que tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala et te voilà, tu sœur, te voilà donc perspicace. Le dhikr est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkouruni Allah ordonne. fadkouruni Rappelez-vous de moi et je vous mentionnerai. L'imam un des Mufassir, un de ceux qui expliquent le Coran par la science qui Allah leur a enseigné par les enseignants qu'Allah les bénisse, tous. Il disait que et obéissez-moi. Donc, une des façons de se rappeler à Allah, c'est d'obéir à Allah. Et dans ça, il y a deux façons. Parler de l'obéissance à Allah comme nous le faisons dans ce live ou ailleurs, c'est également, c'est faire partie effectivement des dhikr et de parler donc de l'obéissance d'Allah. Mais se rappeler à Allah et obéir à Allah, accompagner ce rappel, cette conscience de la pérennité de la vie dernière, de la futilité de ce bas bon monde, tout en œuvrant, ça c'est une autre forme qui est encore au-delà. Fadkuruni, obéissez-moi. Parce que quand tu te rappelles Allah, tu n'as pas d'autre chose à faire que de lui obéir. Adkurkum, je vous mentionnerai. Et pour l'Imam al qurtubi je vous pardonnerai. Parce que chaque moment, mes frères, mes sœurs, chaque moment, chaque endroit que l'on passe, chaque endroit où on est, et qu'on passe un moment, et qu'on se lève sans mentionner Allah, sans se rappeler Allah, c'est un, un moment pour lequel? on risque d'être interrogé. Le fait de s'asseoir quelque part, de parler des choses et d'autres, sans se rappeler Allah, c'est un moment qui est compté négativement. C'est pour cela que le prophète, qui nous a enseigné tout bien de la part d'Allah, nous dit que même si c'est un endroit où on parle d'Allah, déterminé par Subhanak Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Gloire, pureté à toi, ô oh Allah. bi Hamdika, et par ta louange. Allah ilaha illa anta, j'atteste qu'il y a d'autres êtres d'une d'adoration si ce n'est toi. Asta wa wa je te demande pardon et je reviens vers toi repentant. Et c'est si donc, quand on le fait, c'est comme un tampon, comme il a dit à salam. C'est comme un tampon, c'est-à-dire c'est une marque, c'est la preuve qu'on s'est rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si des futilités ont pu glisser, Allah nous les pardonne. Et donc, même un Majlis, même une assemblée donc de vikr, où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que si on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est des anges spécialisés qui nous couvrent de leurs ailes, qui nous apportent la sakina, cette sérénité. Et Allah nous mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de sa création, les anges donc qui sont rapprochés, les anges qui, sont, qui portent les porteurs du trône. Allah parle. Donc Allah mentionne les gens qui font des zikr. N'est-ce pas que Subhanallah est des zikr Alhamdulillah est du zikr. La ilaha illallah est du zikr. Allahu akbar est du zikr. Ces quatre mots se mettent, celui qui les prononce, et les mots sont, remontent jusqu'au Seigneur Subhanahu wa ta'ala et se mettent à tourner autour du trône. Se mettent à tourner autour du trône et à rappeler et à dire d'où ces mots sortent, de tels serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait de faire du dhikr nous fait profiter également de la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la surah Al-Ahzab, Surat 33, verset 41 à 43, « Ya amanu » Quand on entend ça, dit, dit Ibn Mas'aud, le croyant est en l'oreille. Oh vous les croyants celui qui t'appelle, c'est qui C'est Allah. Pour te faire quoi Pour te faire du bien. Pour te faire quoi Pour te faire miséricorde. Donc, quand les croyants passent dans le Coran avec Il ladina ils s'arrêtent de suite. Il n'y a pas meilleur appel pour te pardonner, pour te faire miséricorde. Allah dit dans la surat donc 33, Allah Hzab.

ainsi que ces anges pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière et des croyants il est miséricordieux et donc Allah prie sur toi ça veut dire quoi certains savants disent qu'il te mentionne auprès des anges rapprochés Allah prie sur toi ça veut dire quoi certains disent que c'est pour te pardonner les anges prient Allah pour te pardonner également on sait que quand quelqu'un qui est en train de faire qui est resté l'endroit où il a prié Tant qu'il garde ses ablutions, les anges lui disent à Allah, « Oh Allah, pardonne-lui, Allah fait les miséricorde. Allah pardonne-lui, Allah fait les miséricorde. Que dire alors quand tu es en train d'invoquer Allah, d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Les anges sont là en train de prier pour toi et si tu ne nous oublies pas, tu pries pour un frère ou une soeur qui est absente, les anges disent « Amin » ainsi qu'à toi aussi. Ainsi soit-il et que Allah t'accorde la même chose. Et donc on est accompagné, on est accompagné. Et Ibn Taymiyyah, qu'il fasse miséricorde, il dit que le déclin, c'est la compagnie d'Allah. Tu l'as partout où tu pars. Le, chef, le simple fait d'y penser, c'est penser à Allah subhanahu wa ta'ala. De le mentionner, c'est encore mieux. Que tu sois en prison, que tu sois en voyage, que tu sois sur ton lit, que tu sois où tu es, quelle que soit ta situation, il ne peut pas te l'enlever du cœur. Et voilà que la tristesse devient joie. Et voilà que la solitude devient compagnie, puisque tu es en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans compter qu'avec le zikr, tu es le muraqaba, tu es l'autocontrôle, la vigilance. Quand tu te rappelles Allah, voilà que ce que tu voulais faire, tu l'abandonnes, parce que c'était du mal. Ton karine, ton compagnon satan, te pousse au mal. Mais voilà que tu te rappelles Allah... Et donc tu ne le fais plus. Tu sais que Allah sa science est parfaite. Comme lui c'est le parfait et que tous ses attributs et ses noms sont parfaits. C'est l'une des façons également, l'une des méthodes de zikr, le fait de parler ou d'invoquer Allah au travers de ses noms et attributs. C'est une façon de faire du rappel d'Allah subhanahu wa taala. Il a les noms les plus beaux et tu en trouves une vingtaine à la fin de la sourate 59.

le miséricordieux par essence, par excellence, l'expliquer fait également effectivement partie de des écrans. Parler de les citer, les décrire Allah comme lui seul sait comment il est à partir de son livre ou à partir de la révélation faite à son professeur c'est des zikr. Expliquer ses noms, c'est des écrans. Parler du Coran, c'est le meilleur zikr. L'un des noms du Coran et réciter le Coran, l'un des noms du Coran, c'est un zikr. Allah ne dit-il pas dans la surate entre autres 15, verset 9, ⁇ C'est nous qui avons fait descendre le zikra, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui nous cherchons de le préserver. C'est la preuve formelle, comme quoi personne ne pourra, le faux ne l'atteint ni de devant ni de derrière, comme Allah nous dit encore dans la surata 41 verset 42 il a assuré en l'appelant le zikr et c'est pas le seul nom qu'il a qu'il a donné à son à sa parole subhanahu wa ta'ala qui est le zikr donc la meilleure façon si tu veux t'adresser au zikr c'est la prière parce que tu vas te retrouver en train de réciter le coran en train de faire le roco. dans le roco, tu vas dire ce que tu vas dire dans le soujou tu vas dire ce que tu vas dire tu vas toujours louer allah subhanahu wa ta'ala sous des formes variées et diverses sous des formes variées et diverses. Si tu as compris ça, tu comprendras qu'en réalité, le miséricordieux par essence, par excellence, notre mère Aïcha, elle dit que le professeur sallam a dit, en fait le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba, le saï entre Safa et Marwa qui vont, ou qu'ils ont déjà fait pendant la Omra, ou qui vont refaire peut-être pendant le hajj, dans ces jours bénis, le rajm, le fait de jeter des... Pierre à Satan, tout ceci c'est pour évoquer Allah. En réalité, si Allah nous demande ce qu'il nous demande, c'est pour se rappeler de lui. Le monde nous mange, le monde mange notre temps, le monde nous préoccupe. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de revenir vers lui au travers de la prière 50 fois par jour. On connaît l'histoire qu'il a réduite dans sa miséricorde à cinq fois, et chaque fois est multiplié par dix. Pourquoi Ça t'oblige à te retirer de ce qui est mauvais vers ce qui est bon, vers l'au-delà, vers la richesse d'Allah, vers son la richesse de l'agrément d'Allah. Donc le dhikr ta main t'oblige que tu fasses le tawaf plutôt que de faire autre chose, que tu fasses le saï entre Safa et Marwa. Toutes les adorations en réalité ont un but, c'est le dhikr d'Allah. C'est le dhikr d'Allah, c'est pour te rappeler Allah. Toute adoration que tu fais par la langue en général, par les membres également, font partie de, des écrans. En effet, l'imam Ibn Hajar al-Afqalani, le commentateur de l'Al-Bukhari, de Sahel-Bukhari, Sahel dit qu'il y a sept types de dhikr, et il cite un certain nombre en parlant de les vécres des yeux. C'est les larmes. Quand tu penses à Allah et que des larmes descendent. Ça, c'est. Allah a mis parmi les sept catégories qui seront sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre la septième catégorie a dit le professeur c'est l'homme qui ou la femme qui seule se rappelle Allah et ses larmes coulent Allah a interdit il a interdit deux traces à l'enfer, au feu de l'enfer des traces de larmes qui coulent pour lui dans la sincérité, dans la solitude et on n'est jamais seul et des larmes, des traces plutôt de sang qui ont coulé pour sa cause. Et donc le dhikr a tellement de mérites. Quand tu es avec Allah, certainement tu es le plus heureux. Et il t'est mis à la face miséricorde. Il dit mon paradis est avec moi. Moi je, mon paradis est avec moi. Où que je sois, mon paradis est avec moi. Pourquoi? Parce que je me rappelle Allah. Debout, couché, assis, dans tous les états, même en silence, en train de Méditer sur la création des cieux et la terre Méditer sur les bienfaits innombrables d'Allah Subhanahu wa ta'ala Tout ceci c'est des écrans Ce que nous nous considérons comme des écrans C'est le fait de répéter Subhanallah Dans le tasbih alhamdulillah Le tahmil La ilaha ilala, Le tahlil La ilaha Allah Allahu akbar Le takbir Ou le Hawla quand on dit « la haula wa la quwata illa billah » ou « l'istrafar astaghfirullah », oui, c'est des écrivains. Et c'est très important. Mais ce ne sont pas les seules formes. Abu Karalagré, dans ce qui a été rapporté par les deux, il faisait partie des pauvres, et nous sommes tous pauvres, qui habitaient dans la soufa, donc dans l'arrière-partie de la mosquée. Il a dit que les... Mohajiroun, qui sont pauvres, avec qui ils vivaient là, ceux qui ont quitté la Mecque, abandonné meubles et immeubles pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand ils sont arrivés à Médine, et donc ils n'avaient pas où habiter, ils habitaient là. Et ils sont venus voir le prophète, puisqu'ils aimaient bien la compétition. C'était des grands compétiteurs pour la cause d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils sont venus voir le prophète, il dit, Ya Rasulallah Allah Subhanahu wa Les hommes riches ont tout emporté. Ils prient comme nous prions. Ils jeûnent comme nous jeûnons. Et ils donnent le surcroît de ce qu'ils ont en plus. La, la richesse. Et Allah sur les riche. Le professeur sallam, de s'étonner de cela. Comment Ne vous indiquerai-je pas ce que si vous faites, si vous le faites, si vous appliquez à le faire, vous dévancerez les gens qui sont avec vous. Vous, vous rattraperez ceux qui vous ont dénoncé. Et personne ne pourra faire la même chose que celui qui fait plus que vous. Ils ont dit, balayah, rasulallah. Il dit, après chaque prière, subhanallah, 33 fois. C'est-à-dire qu'il louange pureté Allah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 33 fois. Et la centième fois, la ilaha lah, lahul mulkwa, lahul hamdwa, lahul ah, il a dit Allahu wahdahu la shahriqala. Allahu mulk wa l-hamdulahwa wa lahu l-chaynaqadir. Ah, ils étaient contents. J'imagine qu'ils étaient contents de savoir que même les riches, malgré qu'ils aient, il n'y avait pas de banque à l'époque, malgré qu'ils aient des chameaux, qu'ils aient des dinars, qu'ils aient tout ce qu'ils ont, les pauvres vont les rattraper. Parce que le décret est facile. C'est peut-être l'adoration la plus facile. De tous les membres, il n'y a aucun membre qui peut répéter sans se fatiguer autant de fois que la langue. C'est le meilleur morceau. Quand il est bon, tout le corps est bon. Et quand il est mauvais, comme le dit le professeur Al-Salam au petit matin, tout le corps se plaint à la langue. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. Si tu te tiens, nous sommes tous sauvés. Et si tu dévis, nous serons tous perdus. Parce que le, la langue, qu'est-ce qu'on ne dit pas avec la langue Qui ne cesse pas de tourner. Et d'ailleurs, un homme meilleur que moi a demandé au professeur Al-Salam, il a dit, les choses de l'islam sont nombreuses, indique-moi une chose à laquelle je vais me m'a donné. Il a dit que ta langue ne sèche pas du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une version à discuter, il dit invoque Allah jusqu'à ce qu'on te prenne pour un fou. C'est-à-dire que même tout seul, tu es en train d'invoquer Allah. Tu récites le Coran, tu demandes pardon à Allah, tu le loues, et il est le seul digne de louange, tu chantes sa gloire, tu le glorifies, tu fais ses éloges. Tout ceci, c'est des dhikrs. Comme on a dit, les pauvres étaient heureux. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ce sont quatre mots, donc, comme on a dit, qui tournent autour du trône. Et le professeur Sam nous a conseillé, parmi ces jours les meilleurs jours de l'année, de multiplier subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Notamment donc après les prières. Allah dit qu'il faut le mentionner à tout moment, notamment après les adorations que nous connaissons. Après le Hajj, par exemple. Dans la Surah Al-Baqarah, verset 200, Allah nous mentionne de le mentionner après le Hajj. On a dans le Hajj des jours qui sont comptés. On dit que ce sont les dix jours du huitième où on va à Mina jusqu'au treizième où on aura fini. Mais on dit que ce sont les jours qui sont connus, où il faut faire beaucoup de vécran Même après Arafat même quand il va à Mina, sous les tentes, on entendait Omar ibn Khattab en haut ouvrant, en train de dire Allah Akbar, pour que les uns et les autres se rappellent Allah, pas pour le dire en groupe. Ibn Omar ainsi qu'Abu Hurayra, ils allaient au marché, pas pour faire des affaires, même si ça pouvait être des périodes de soldes comme, comme actuellement, mais pour, pour se rappeler Allah et pour rappeler Allah aux autres. Les pauvres donc étaient heureux de savoir qu'après chaque prière et qu'Allah bénisse les pauvres, ils rentreront 500 ans avant les riches au paradis, qui s'occupent d'eux-mêmes, qui savent qu'ils sont riches au travers de, du cœur que Allah leur a donné. Le Prophète sallam a dit, la richesse est dans le cœur. Ceux qui aiment Allah sont riches, puisqu'il y en a qui n'ont pas de cœur. Ce ne sont pas, comme Allah le dit, wa ce ne sont pas les yeux. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est bien le cœur qui est dans la poitrine. Surat 22, Al-Hajj, verset 46. C'est le cœur qui est aveugle. C'est le cœur qui a oublié, c'est le cœur qui a été négligent. Et donc les pauvres, ils répétaient après la prière, « Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah ». Et bien sûr, les riches ont entendu ça, ils ont fait comme eux. Alors ils sont venus à nouveau se plaindre au prophète sallallahu et il dit, « Ce que tu nous as donné comme tuyau, comme faveur, les riches, ils ont entendu ça, ils font la même chose ». Et qu'est-ce qu a dit le professeur Voilà une faveur d'Allah qui donne à qui il veut. Voilà une faveur d'Allah qui donne à qui il veut. En effet, si un riche, non seulement dépense matin, midi et soir, mais en plus de cela, il se rappelle Allah comme toi, tu te rappelles Allah, il est certainement mieux que toi. C'est certainement mieux que toi. Mais si lui dépense, il oublie Allah, il se peut qu'Allah ne l'accepte pas. Si toi qui n'as pas tu te rappelles souvent Allah, il se peut que tu sois tu le dévances. Les dévanciers, c'est ceux qui ont dévancé les autres dans les bonnes actions. Et parmi les bonnes actions bien entendu, il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bonnes actions, comme le dit Ibn Qayyim, efface c'est Allah qui le dit, les bonnes actions effacent les mauvaises. Ce qui fait que à travers le dhikr, Allah il te pardonne. Allah pardonne puisqu'il efface les péchés que tu peux faire. Puisque ce sont des bonnes actions qui viennent donc effacer les mauvaises actions. Ce zikr, certainement, n'a pas d'équivalent. Quels sont les meilleurs parmi nous On a demandé au prophète Sassan, mais il dit ce qui se rappelle le plus à Allah. Allah dit donc dans la surah 33, verset 41 à 43. « Il ordonne de faire du zikr. »« Vous, les croyants, invoquez Allah ou mentionnez Allah énormément. beaucoup. Il n'y a pas de membres. C'est ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala a béni son prophète qui nous a enseigné beaucoup. Et ce qui est mieux, tu as dit que subhanallah, est-ce que tu sais qu'alhamdulillah seulement remplit la balance du jour du jugement dernier Le simple fait de dire alhamdulillah. سبحان الله وبحمده لبروفيسور صلى الله عليه وسلم هذين كلمتاني خفيفتان على اللسان حبيبتان على الرحمن ثقيلتان على الميزان. deux mots légers sur la langue aimé du miséricordieux et lourd dans la balance. سبحان الله وبحمده لونج غلور بيوت الله. et par sa propre louange, سبحان الله العظيم لونج غلور بيوت الله، le très grand. ces deux mots Subhanallah wa bihamdihi subhanallah le simple fait de penser de savoir que Allah aime une chose si cela ne te motive pas pour la faire c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème rien qu'à l'idée qui es-tu pour que Allah t'écoute pour que Allah aime ce que tu es en train de prononcer grâce à lui et par lui parce que pour que Allah pour que tu puisses mentionner Allah pour que tu te rappelles Allah il faut que Allah te mentionne pour que tu puisses te rappeler pour que Allah t'aime. Pour que tu aimes Allah plutôt, il faut qu'Allah t'aime. Pour que tu puisses l'aimer et ensuite qu'il rajoute de son amour. Et donc, le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, c'est extrêmement conseillé que tu le fasses avec euh, ton chapelet, peut-être, mais ton cœur, il faut qu'il soit présent. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu salam est sorti. Vous connaissez le hadith. Mais le rappel profite aux croyants. Il est sorti, Alayhi salam et il est revenu. Il est sorti au Fajr, il est revenu. Il a trouvé une de ses femmes, nos mères, bénisse, qui s'appelle al juhiya Il a dit Mais qu'est-ce que tu fais là Elle dit Depuis que tu es parti, je suis en train de faire du dhikr. Il lui dit Alayhi mais est-ce que tu ne veux pas que je te dise quelque chose depuis que je suis sorti, j'ai répété quatre fois ou trois fois une formule de quatre mots. C'est mieux que tout ce que tu as fait jusque-là. C'est sûr que les savants ne sont pas pareils que les ignorants. Tu peux rester là, j'ai récité tout le Coran, mais tu sais qu'en disant Tu as l'équivalent de la récompense d'avoir lu le tiers du Coran. Le prophète a dit à cette épouse, جوهرة. depuis que كتمو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لونج بيرتي جلارا الله فارسا سبحان الله وبحمده عدد خلقه أتى عدد خلقه ورضا نفسه جس وزينة عرشي أوتان كو بيس سون ترون ومداد كلماتي أوتان كو سي مو أوتان أوتان كيليا دي سي مو أور الله دي على فين دو لا سورة لا سورة 18 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي دي لور يا محمد سي لا مير دو سيرفير دانك بور إكريا لي بارول دو سونسيور لا نافي البحر لا مير سيريتاري لا نافي البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي avant que les paroles de ton Seigneur ne se tarissent. « Voilà où dit même si on lui a mené une autre mère à renfort. » C'est ce qui fait que « Subhanallah, wa C'est c'est énorme. Mais si tu rajoutais encore « Adada », autant que le professeur Salam Kala le bénisse, il nous a donné tous les tuyaux qui peuvent nous amener à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi warida nafsihi wazinata arshihi, wa midala kalimati. Si tu veux que ta tombe soit illuminée, alors rappelle-toi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Omar, quand la Grèce, que son père. Il dit, tu dis trois fois Allahu akbar kabira. Allah est grand, très très grand. Allahu akbar kabira. Adada, ashaf le wa le Autant qu'existent le père et l'impère. C'est toutes les créatures. Soit sont père, soit sont père. C'est qu'il y a autant de créatures qu'il a. Adada Khalimati, Adada, chef le Wa kalimati lahi tamma. Et les mots parfaits, les lettres ou les mots parfaits de son Seigneur. Tamma, Moubaraka » Les qui sont purs et qui sont bénis. Allahu akbar Kabiro. Adada, chef le Mamidada kalimati, tamma, toyibati, mubarakat. Pur et béni. Tu dis ça trois fois. Tu dis alhamdulillahi, pareil. Alhamdulillahi, adada, eschaf le kalimati, tamma, ces paroles parfaite, Toyibati, moubarakat. Allah va mettre la lumière dans ton cœur, va mettre la lumière dans ta tombe. Et on comprend mieux pourquoi les savants. Alhamdulillah, qu'Allah les bénisse, au rang de la lumière avant même le jour du jugement dernier, ils avaient la lumière dans leur cœur et ils n'étaient pas tristes, comme le dit Ibn Qayyim, si quand quand on était préoccupé, quand on était stressé, quand on avait beaucoup de problèmes, on courait vers qui Vers son maître Ibn Taymiya, il nous rassurait. Rien que sa vue il nous rassurait par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même toi qui te fatigue dans la journée. Une des meilleures femmes du paradis, Fatima, la femme, la, la fille, la femme de Ali et la fille du professeur Sallam la Benjamina, elle a été se plaindre au professeur Salam en lui demandant, en demandant, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne vas pas me donner une esclave, un servant, pour que je puisse, pour m'aider Et qu'est-ce qu'a dit le professeur Sallam Oui, bien sûr, je vais t'en trouver. Non il a dit, est-ce que je ne vais pas te dire mieux que ça Le soir avant de dormir, hein. le soir avant de dormir, dis, dit, subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois, c'est mieux pour toi qu'un esclave de te faire aider par des ouvriers. Dans une version, c'est 20 fois. Bref, le dhikr n'a pas d'équivalent. Le dhikr n'a pas d'équivalent. Celui qui se rappelle Allah, il est tout de suite heureux. Celui qui se rappelle Allah, la tristesse s'en va. Celui qui se rappelle Allah.. La difficulté devient facile. Et tout ça, c'est au travers du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez certainement des questions à poser, donc on va laisser un peu de place pour euh, poser donc, quelques questions, Inch'Allah. Oui, Assalamu alaikum, pour tous ces rappels, euh, Mashallah, très magnifiques à écouter. Euh, si tu me permets, j'aimerais juste faire une petite exception poser une question qui a un rapport avec les lives précédents, parce que je, je la trouve très intéressante en fait, euh, qui a été posée sur Facebook, c'est euh, pour une personne qui est euh, habituellement fait tout avec la main gauche, est-ce que cette personne a le droit de, de sacrifier avec la main gauche Quelqu'un qui sacrifie avec la main gauche, bien entendu, si elle n'a qu'une main, j'en connais un, qu'Allah a éprouvé qui a sa, sa main droite, son bras droit, a été a été sectionné. Par un train de passage. Et il fait tout avec la gauche. Il n'a pas le choix. Donc, le, celui là où on dit qu'il faut tout faire avec la droite, toute bonne chose, c'est quelqu'un, un jeune qui, travaille, qui mangeait avec le professeur. Il m'a dit Yahoulam, jeune homme, mange 100 000 là, 10 et mange avec ma, euh, une coule mange ce qui est à côté de toi, et mange avec ta main droite. Il a dit Je ne peux pas. Le professeur m'a dit Qu'elle la fasse que tu ne puisses pas. Il n'a plus, plus jamais faire ça c'était par orgueil mais celui qui ne sait pas par orgueil n'arrive pas à le faire essaye tout ce qui est bien essaye de le faire par la main droite si tu sais que l'animal va souffrir que tu n'arriveras pas à, à lui trancher la horte avec la main droite et que c'est ta main gauche qui est plus puissante tu peux le faire bien entendu avec ça c'est permis c'est permis simplement tu ne te dis pas moi je veux pas y arriver tu essayes sur un poulet tu essayes sur autre chose et si Allah te facilite, Inch'Allah, il y a des non, tu peux le faire. Simplement, quand tu s'est déconseiller, c'est surtout dans le sens de j'ai le choix. Si tu pas le choix et que la force Allah l'a mis dans la main gauche, tu utilises la main gauche. Je me suis permis de la poser parce que je l'ai trouvée assez intéressante et comme euh, on a parlé du sacrifice il y a quelques, quelques jours ouais. de ça. Euh, donc on revient par rapport au sujet du jour. Euh, on a une question qui euh, donc vient, je crois, de, de Instagram. Euh, quand on parle de faire du zikr, est-il préférable de faire plus d'invocations ou de l'Al-Qur'an c'est c'est une très bonne question. Moi, je ferai comme, nous on est des perroquets je ferai comme Ibn Qayyim ça dépend. Si c'est Arafat, c'est le meilleur jour des invocations, je te dirais, fais plutôt des invocations, plus d'invocations que de lire le Coran. Mais d'un point de vue absolu, le Coran, c'est la meilleure des paroles, donc c'est le meilleur vicre. Mais comme il le fait très bien euh, remarquer, ne vois-tu pas que dans le recours, le professeur a interdit de lire le Coran. Donc le meilleur vicre au moment du recours... C'est de dire Subhan Rabbi Al Pourtant, le Coran est mieux. Dans les soujoud, Allah est interdit par la bouche de, du, du, du professeur Salam, de lire le Coran. Donc, tu vas dire Subhan Rabbi Al À ce moment-là, c'est le meilleur dhikr. Et quand tu entends l'adhan, même si tu es en train de lire le Coran, qu'est-ce qui est conseillé aux gens, aux savants, c'est de répéter les paroles de l'adhan parce que c'est le meilleur dhikr à ce moment-là. Quand quelqu'un éternue, tu es en train de lire le Coran. Et quand il dit « Alhamdulillah, le meilleur zikr, c'est quoi C'est pas de continuer à lire le Coran, c'est dire « Ya Rahman Quand quelqu'un rentre et quitte le salut, Allah a rendu obligatoire de lui rendre le salut. Le meilleur zikr, c'est à ce moment-là, c'est « Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Donc tout dépend. Moi, je dirais, si c'est Arafat, le jour de Arafat, vendredi, de faire beaucoup d'invocations. Ça ne t'empêche pas de lire le Coran, mais il est clair qu'en temps normal comme maintenant, lire le Coran est plus, est plus conseillé parce qu'il contient à la fois des invocations, il contient des invocations, il contient tout, en fait. Et c'est la parole d'Allah, c'est la meilleure des choses. Donc, c'est pas de façon absolue, les gens intelligents, Allah leur a fait comprendre vraiment le plus important. Donc, cela dépend vraiment de, du moment, cela dépend de la circonstance dans laquelle tu es, et donc tout dépend. Mais d'un point, point de vue absolu, le mieux, c'est le Coran. Ensuite, le vicre par le cœur, ensuite le vicre par la langue. Et parmi lesquels l'invocation voilà. Mais c'est dans cet ordre-là. Mais le mieux, c'est en fonction de la situation dans laquelle tu es. D'accord, ouais. euh, Une autre question là qui est euh, aussi sur Facebook, je pense. Euh, euh, pendant est, quel, quel est le, le, le vif le plus conseillé à dire pendant ces 10, ces 10, ces euh, 10 meilleurs jours qu a, qu que nous sommes en train de vivre en ce moment Quelle est l'invocation la, la ouais, la quelle, quelle est la meilleure invocation à faire la meilleure évocation, le professeur Salam a dit la meilleure invocation, c'est l'invocation de Arafat, le jour de Arafa, La meilleure évocation, la meilleure parole que moi et tous les prophètes avant moi ont dite, c'est La ilaha wa la la, mulk wa wa Donc il n'y a pas mieux et à faire. Mais encore une fois, je dirais, c'est quand on est pèlerin, c'est souvent répéter la baikallahumma la baïk. Voilà. Donc ça dépend de la circonstance dans laquelle tu es. Et je te dirais, la variété du dhikr est encore mieux, ne serait-ce que pour le cœur, pour que le cœur ne se fatigue pas. Et si tu ne connais pas beaucoup le Coran, qui est le meilleur dicre, ahad autant que Allah te le permette, puisque ça va te donner une récompense de du tiers du Coran chaque fois que tu lis dans ces quatre versets-là. Donc c'est je dirais, il faut varier. D'un point de vue absolu, c'est certainement la meilleure parole après le Coran, c'est le meilleur dhikr. Mais ça dépend dans quel endroit, dans quelle disposition également tu te trouves. Et une autre question est-il possible pour une sœur de faire du dhikr en état de monstrueux C'est une très bonne question, dans la mesure où euh, parfois Satan pousse. Puisque la personne qui est indisposée N'arrive pas euh, Ne peut pas prier Ça c'est interdit, on le sait Ne peut pas jeûner C'est dit meilleur jour, Mais comment on va faire On ne peut pas prier On ne peut pas jeûner Mais bien sûr le, Comme la prière, comme le jeûne on l'a dit sont, Ont été faites pour que tu te rappelles Allah Alors il y a d'autres formes de dhikr Donc on peut sans aucune discussion On peut invoquer Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah On peut invoquer Allah En faisant beaucoup de do'a pour vous et pour nous et tout ceci est permis, quel que soit l'état. Surtout qu'elle ne peut pas lever cet état ni par le Tayammum ni par le ghusl. Donc elle peut invoquer, et évoquer Allah autant qu'elle peut, autant qu'Allah Allah subhanahu wa taala va lui permettre. C'est permis. Hein? Donc je pense dans la même continuité la, la continu, la continu, pardon de cette question, euh, peut-on faire du zikr euh, en état, euh, sans, enfin sans avoir les, ab les ablutions Faut-il avoir les ablutions en fait pour faire du zikr a fortiori, si on peut le faire sans avoir, sans, sans avoir les grandes ablutions, a fortiori, sans avoir les petites ablutions, on peut le faire. Et même, on peut réciter le Coran sans les ablutions. On peut faire l'appel à la prière sans les ablutions. Bien entendu, ça veut dire que qu'on est dans un état où euh, la chose est pressée. Sinon, être, avoir les ablutions, c'est déjà une adoration. Et il faudrait le faire avant. Mais cela n'empêche absolument pas de faire toutes les formes de décrets possibles, que ce soit par la langue, le cœur n'en parlons pas qui est donc le centre vraiment de la piété. Et on doit à ce moment-là euh, multiplier autant que... On ne va pas dire, non, mais moi, je vais aller faire les ablutions, j'ai pas de l'eau tout de suite, donc je m'abstiens de faire des écrits sastins, piège de shaitan. Il faut faire des écrits autant que l'on peut. Et le professeur Sallallahu alayhi wa sallam disait à Aïcha, notre mère, il faisait des écrits dans tous ses états. Donc on doit multiplier. C'est le cœur, c'est la nourriture du cœur. Plus le cœur plus on fait des écrits, plus le cœur est rempli de crainte d'Allah, de d'espoir en Allah, de d'amour d'Allah. Plus on fait des décrets, euh, des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui pensent avoir découvert la Sunna, qui se réclament de la Sunna, souvent euh, on se Satan a également des portes par lesquelles ils rentrent euh, Ils les font détester des gens qui sont là en train de faire du dhikr Alors qu'en réalité le Prophète صلى الله عليه se rappelait le plus Allah. Il n'y a pas plus Sunna que le professeur صلى الله عليه وسلم. Donc tout en restant dans la vérité. Il faut également y profiter. C'est un modèle complet. Il ne faut pas prendre du prophète que des aspects. Il était le plus. Quand il, quand on dit quand il regardait, c'était pour tirer des, des leçons. Quand il se taisait, c'était pour méditer. Quand il parlait, c'était pour parler d'Allah. Donc tout ça, c'est des formes de décrets. Alors que nous, on voit. Non, non, celui-là, il est assis avec son chapelet en train de faire des décrets. Non. Toi, tu peux le faire des décrets. Du, le temps d'arriver à la voiture tu dis qu'Allah akbar comme une fois le temps de dire sāfirulah comme une fois non nous généralement non 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 on préfère pas parce que sinon on va devenir des soufis non les soufis ils ont pris l'avance si vraiment ils craignent Allah s'ils connaissent Allah maintenant il est évident que le dogme et la connaissance d'Allah passe avant toute chose voilà Claude est-ce qu'il y a des des, des moments où euh, il est déconseillé voire même interdit de faire du zikr que ce soit en journée, que ce soit la nuit. Je... Le dhikr effectivement, c'est tout le temps. C'est tout le temps, sauf quand il est déconseillé de le faire, comme par exemple euh, quand on fait ses besoins. Par respect, par pudeur. On n'a pas à faire de dhikr que par le cœur. On n'a pas à prononcer dans les toilettes, par exemple. Ça fait rentrer les anges et ça, c'est pas permis. Et les toilettes et les salles d'eau sont des endroits habités, même si on ne les voit pas, par les djinns. Donc le mieux, c'est de ne pas le faire. Là où c'est vraiment interdit effectivement, c'est prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et, et à nous, quand on est dans les toilettes. Ça, c'est pratiquement, c'est pas déconseillé. C'est ce qui est euh, écrit, en tout cas, dans le livre de fiqh. Là, il faut vraiment pas le faire. Mais en dehors de ça, on peut quand même continuer à faire du dicres hein, avec son cœur. Les ils ont divergé, est-ce que pendant l'acte charnel, on peut faire du dicres ou pas La plupart disent que c'est déconseillé, que c'est reprouvé de le faire. Néanmoins, comme la, nous a enseigné le professeur Sallam, celui qui avant d'avoir des relations euh, avec euh, donc, son, son compagnon ou sa compagne, dit oh Allah, éloigne-moi de Shaitan, éloigne Shaitan de ce que tu vas nous donner. Si Allah veut qu'il y ait une fécondation, si Allah veut qu'un enfant naisse de cette relation-là, il ne va pas être touché par Shaitan. Donc, ça veut dire que ce n'est pas euh, forcément quelque chose d'interdit, ça peut être reprouvé, mais ça dépend de quelles conditions, puisqu'on a appris, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire. Et euh, donc, quand on fait du zikr, est-ce qu'il est plutôt conseillé de faire du zikr à haute voix ou à basse voix Est-ce que c'est ou peu importe Ça dépend l'endroit où le on est. Le zikr je pense. à haute voix n'est pas quelque chose de, de conseillé, ce n'est pas une sunnah. Le zikr, normalement, on le fait en soi-même, comme Allah le dit à la fin de la surah 17. Ne, ne, lève pas ta, ne, ne lève pas trop ta voix dans ta prière, dans ta prière ici on parle d'invocation, d'évocation, ni non plus trop bas. C'est-à-dire que le dhikr le mieux, c'est de le faire, euh, pas en cachette pour éviter l'ostentation, c'est de le faire de façon discrète. Donc de ne pas le faire à haute voix pour que les gens disent voilà quelqu'un qui se rappelle souvent Allah. Et pourtant, il faut le faire. Donc, le mieux, c'est de le faire à voix basse, c'est de le faire en appartient, entre guillemets, pas forcément en solitude seulement, mais au moins discrètement, pour que les gens ne, nous, ne pensent pas de nous ce qu'on n'est pas, qu'on est des rapprochés d'Allah. Et donc, le décret on doit le faire de la, à voix basse. Ça, c'est la, la vie majoritaire, très majoritaire des savants, et surtout pas en groupe. Parce qu'il faut que le cœur soit là. Et toi, au moment où tu, inter, où tu évoques Allah, ton cœur ressent quelque chose qui est, pas, qui est différent de ce que le cœur de l'autre ressent. Et donc c'est pour cela le fait de le faire ensemble, de le ensemble, n'est pas quelque chose de légiféré. Ni lire le Coran ensemble, ni... Puisque Allah dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, fa'iza qu'urati al-Qur'an, fa'iza qu'urati al-Qur'an, Fasta Miola, fa'ansi tou. La'allakum Quand le Coran est récité, taisez-vous et écoutez. Pour qu'on vous fasse miséricorde. Donc, le fait que l'on dise, lise le Coran ou autre chose ensemble, ça va à l'encontre donc de ce verset-là et va à l'encontre surtout de la pratique des, des compagnons du Prophète sallam. Le, le fait d'écouter le Coran ou même autre chose dans le dhikr et qui te fait penser à Allah, tu participes au si dhikr. Tu participes au si dhikr sans pour autant bouger la langue. Et donc, le fait d'écouter le Coran, notamment donc, dans, la, dans la prière, ou d'écouter euh, une cassette, euh, comme nous on l'appelait avant, aujourd'hui un CD ou autre chose, c'est que tu participes, tu fais du zikr parce que tes oreilles, le zikr des oreilles, c'est l'écoute. Et donc, le zikr du cœur, c'est la crainte et l'espoir. Et le fait d'écouter, rentre dans le cœur, ou rentre, euh, t'amène soit de la joie, soit de la tristesse, soit la crainte d'Allah, dans tous les cas, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça participe au dhikr. Et donc, ceci est mieux que de se mettre à réciter avec l'imam ou à réciter avec celui qui récite ou à le faire en groupe. Ça n'a pas du tout le même effet. Or, l'effet qui est escompté, c'est vraiment de t'apporter, qui est un impact. Et donc, ce n'est pas celui qui récite le plus, euh, qui fait le plus de dhikr, entre guillemets, euh, par la langue, qui est le plus proche d'Allah, c'est le dhikr est censé te ramener à Allah censé avoir un impact sur son cœur et sur ton comportement si en multipliant les écrans si ton comportement ne change pas si c'est devenu comme un perroquet okay, comme on le dit à ce moment-là ton écran il y a mieux à faire donc tu dois te reformer tu dois réformer ton cœur et ton comportement pour arriver à ce à quoi euh, Allah veut subhanahu wa taala ce qu'Allah aime à savoir donc ta réforme et pour mieux améliorer ton ton adoration d'ailleurs euh, le, le professeur Salam a dit euh, avant de l'oublier à Moad Moad wallahi la ça c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment retenir au que je t'aime et il était jeune Moad intelligent il a envoyé au Yémen entre autres c'est le savant de cette communauté il a dit ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma ala wa shukrika wa oh Allah assiste-moi à ton dhikr à ton, à ton shukr, donc à ton remerciement ou à la reconnaissance, et wa husni au travers du zikr, tu vas arriver à remercier Allah. Si toi, malgré les zikr, tu ne remercies pas Allah, tu es toujours en train de râler, comme on le verra, chez Allah, un mardi, sur euh, la reconnaissance, la satisfaction, si ton cœur n'arrive pas à aimer plus Allah, à reconnaître plus Allah, c'est sa bonté, et wa husni ibaratik, au travers du zikr, tu vas, à ce moment-là, parfaire, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que le zikr, on doit se l'imposer, chacun doit avoir du wird. On doit s'imposer, par exemple, celui qui dit 100 fois par jour, Allah te fait inscrire 100 bonnes actions, il te pardonne sans péchés, il te, te fait inscrire comme si tu avais libéré dix esclaves, et Satan, ça te protège toute la journée contre Satan. Et donc, si... Il faut s'imposer les choses. Tous les matins, tous les soirs, les adkar qu'on trouve dans la citadelle, des musulmans et autres, c'est fait pour quoi C'est pour que tu t'imposes ça. Et donc, par conséquent, tu te dois de euh, t'imposer les choses. Au début, c'est dur. Au début, c'est long. Au début, c'est fatigant parce que l'âme n'aime pas ça. Que tu t'efforces à faire des choses qu'il ne voit pas tout de suite manger, boire, etc. Donc, il, il ne trouve pas d'intérêt de, dedans. Mais tu le fais et tu essaies d'amener la présence du cœur. Si le cœur s'y associe, tant as mieux. Et ensuite, quand le cœur va s'y associer, la chose, Allah va te le faciliter et tu vas arriver, Alhamdulillah grâce à Allah, à le faire facilement. Et même ça va te manquer. Tu vas te manquer et tu vas faire du dhikr même sans, entre guillemets, sans t'asseoir spécialement pour le faire. Parce que le but du dhikr ce n'est pas je m'occupe pendant une demi-heure à faire du dhikr à dire la ilaha illallah, et ensuite, et ensuite, je m'occupe d'autre chose. Tout le monde est maudit, on a dit. Maudit ce qui contient, sauf le décret d'Allah. Par conséquent, on se doit de multiplier les décrets si le décret amène des dhikr Le Prophète salam nous a dit que la bonne action appelle la bonne action. Si le décret t'amène, te pousse à faire encore plus de décrets, on peut espérer que Allah accepté. Mais si le décret ne t'amène pas et ne devient qu'une parenthèse dans ta vie, alors très certainement ton décret n'a pas eu d'impact sur ton cœur. Plus tu fais des zikr, plus Allah va te faciliter, plus tu as envie d'en faire, plus tu as envie d'en apprendre, matin et soir déjà. Ça, c'est ce que le professeur nous a appris, des doigts du matin et des doigts du soir. Mais ça ne veut pas dire j'ai fait les doigts du matin, moi. J'ai fait les doigts du soir et donc toute la journée, je suis protégé contre Satan. Donc toute la journée, je fais autre chose. Non, si tu as oublié Allah au travers, malgré tes doigts du matin, Malgré les doigts du soir, c'est qu'il y a un problème, ton écran ne vient pas du cœur ou n'est pas rentré dans le cœur. Donc on doit avoir des écrans, on doit commencer, ça peut, faire, ça peut être difficile au début, mais n'est facile, comme l'a dit le professeur Sallam, que ce qu'Allah facilite. Donc on se doit quand même de faire des écrans le matin, au début, des l'après-midi, mais après, l'idéal, c'est que sa vie entière soit des écrans. Que ça, ta vie entière soit le dhikr, Que ce que tu vois, quand tu le vois, tu en tires des leçons, tu penses à Allah. Que ce que tu entends, ça te fait penser à Allah. C'est ce que Allah dit. Hein. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les choses qui s'est imposées jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend. Tout ce que tu entends doit te rappeler Allah. Allah n'aime pas ou Allah aime. Tout ce que tu vois, je deviens la vue par laquelle il, voit, il regarde. Quand tu vois une chose que Allah aime, tu regardes. Quand tu vois une chose que Allah n'aime pas, tu, ne... tu baisses les yeux. Et là où tu marches, c'est l'équilibre. Tu vas vers où Vers ce que Allah aime. Et quand tu tiens. Quand tu, quand tu prends, tu prends ce que Allah aime. Donc, à ce moment-là, tu deviens un allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte. Donc, parmi ses alliés, qui, Amen. de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. De ce qu'ils regardent, ils voient Allah avant. Et de ce qu'ils qu entendent, ils voient Allah au travers tout ceci. Bien entendu, c'est ce qui est recherché. Euh, ce qui m'a mené à une autre question, qui est d'ailleurs souvent, souvent posée, cette question, est-ce que euh, faut-il faire plutôt, pardon, le, le de dhikr plutôt en français ou faut-il s'appliquer pour apprendre l'arabe et le répéter en arabe S'appliquer, les meilleurs dhikr, ce sont ceux, qui, ceux du Coran et la Sunnah, ça c'est clair. C'est pour cela que, quand le chef Khatani, qui est décédé il y a deux ans maintenant, qui a fait cette, cette, cette citadelle du musulman, où on le retrouve, donc, les gens qui l'ont traduit, quand la bénisse également, on le trouve en arabe, bien entendu, l'original, on le trouve en France, en l'explication ou l'interprétation, on trouve également en phonétique. Donc, ce qui le mieux, c'est de lire les meilleures invocations. Et évocations, invocations sont celles que l'on trouve dans le Coran et dans la sunna du professeur Sallam, il ne parlait pas de lui-même. Ce qu'il disait, c'est ce que Allah aime. Donc, l'apprendre en arabe, même en phonétique, en connaître le sens, c'est encore le mieux. Mais cela n'interdit pas d'invoquer Allah dans la langue que l'on comprend, dans la langue euh, qui nous fait... Science qui nous fait cause, que l'on comprend et à laquelle on est sensible. Donc on ne va pas interdire à quelqu'un de louer Allah euh, en, en chinois ou en anglais ou en autre chose parce que c'est ce qui nous dit quelque chose. C'est ce qui nous touche. Et bien entendu, le plus important, c'est la présence du cœur. Mais il faut savoir que si on peut connaître le sens de ce qui a été révélé, soit dans le Coran, soit au prophète, c'est certainement le mieux, mais ce n'est pas exclusif. C'est vraiment le plus important, c'est le cœur, à condition, bien entendu, que l'on connaisse son Seigneur, qu'on ne demande pas, qu'on ne se maudisse pas en train de chercher ou qu'on ne demande pas à quelqu'un d'autre que Allah, etc., etc. Mais on peut le dire dans n'importe laquelle des langues, le plus important, c'est vraiment la présence du cœur. Euh, une autre question qui vient d'arriver sur, sur Facebook, y a-t-il, si je comprends bien, y a-t-il une différence ou plutôt un mérite de faire du vicre en s'appuyant sur ses doigts plutôt que le chapelet Ou est-ce que c'est la même chose non, le, le professeur Sras n'a jamais utilisé le chapelet. Il n'a jamais utilisé le chapelet. On dit même que des compagnons qui sont venus, dont Ibn Masoud trouvaient quelqu'un en train avec des noyaux de, euh, de dates ou autre chose en train de compter. Il dit Pourquoi tu ne comptes pas Pourquoi tu ne comptes pas tes péchés Donc Allah sait compter. Ça, on le sait bien. Il sait toutes choses. Il, il est capable de toutes choses. Donc le mieux, le professeur Sras nous a dit de compter avec les doigts. Pour que les doigts. Euh, participe à l'adoration d'Allah subhanahu wa puisque la peau va témoigner la main va témoigner et donc même avec ce qui est conseillé c'est compter avec les bouts de doigts avec les phalanges donc c'est ça c'est ça la sunna la sunna c'est de compter avec les doigts si on doit compter les 33 fois par exemple ce qui est relativement facile mais aujourd'hui ils ont inventé des appareils il suffit juste d'appuyer et ensuite tu vois au compteur comme il y a Là encore, c'est être administratif avec Allah. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est être qualitatif, rechercher la qualité. Et pour rechercher la qualité, c'est vraiment la présence du cœur. Et on n'a pas besoin. Et si non, c'est parce que je ne veux pas me tromper. Mais tu vas te tromper. Tu t'es déjà trompé en pensant que tu ne veux pas te tromper. Donc, Allah dit, il a dit, ⁇ Donc, tout ce qui a été limité par le prophète, comme les 33 fois par exemple, on doit s'arrêter à 33 fois. Mais en dehors de ça... On doit continuer sans, sans compter. C'est pourquoi on dit « Adada » Autant de créatures d'Allah, autant que pèse le trône, autant des paroles d'Allah, c'est que tu ne peux pas compter. Et le professeur me disait souvent « Et je ne saurais jamais te remercier ou faire ton éloge comme toi-même tu as fait ton éloge. » Donc plus on fait, mieux c'est. Et le dhikr n'a pas de limites. Et Allah a promis aux Zakirin Allah Kathira, et Allah leur a promis un pardon et une récompense énorme. Alhamdulillah, on a dépassé un peu le temps, mais je pense qu'on va continuer encore peut-être 2-3 minutes jusqu'à ce que Instagram nous dise d'arrêter. Euh, deux autres questions encore. Quand on a pris l'habitude, par exemple, de, de, de faire du Zikr à, à une certaine heure tout le, tout, tous les jours, et puis un jour j'ai oublié de le faire. Est-ce qu'il faut que je rattrape le lendemain puisque je me suis imposé cette, cette habitude-là, sachant que ce n'est pas une obligation Ou est-ce que bon, ce n'est pas grave, je saute et je recommence le lendemain euh, Quand on a pris l'habitude, ça manque. Et effectivement, quelqu'un qui a un weird, comme l'a dit le prophète c'est celui qui a parlé de weird, dans nos langues, euh, on parle de weird. Mon weird, c'est ça, c'est ce qu'on s'impose. Par exemple, on récite 100, 100 versets par, par nuit. C'est le minimum à réciter ces 100 versets pour ne pas être compté par les négligents. 200 est, on est compté parmi les sincères. Si on peut faire plus, tant mieux. Donc, celui qui dit les les, la surat euh, tabarak, la surat Mulk, qui ne contient que 30 versets, cette sourate va lui permettre, grâce à Allah, de le protéger contre le châtiment de la tombe. Donc, quand ce sont des choses comme ça qu'on s'est imposé, et il faut qu'on s'impose, moi je dis souvent, celui qui n'a pas de programme, c'est Chétan qui lui fait son programme. C'est-à-dire qu'il va faire tout et n'importe quoi, il va oublier, euh, il va s'oublier lui-même. Donc, il faut s'imposer un programme. Et si on l'applique même à 10%, c'est pas mal. Si on l'applique à 50%, c'est encore mieux. Si on l'applique à 70%, je dirais, c'est très bien. Donc, quand on s'est imposé, par exemple, la nuit de réciter euh, du Coran, et qu'on est malade ou qu'on a été occupé, qu'il y a eu de la famille ou qu'on a été très occupé dans la journée, alors qu'on a l'habitude de faire les choses, le prophète a dit, celui qui n'a pas pu faire son wird dans la nuit, qu'il le fasse le matin, depuis le fajr jusqu'au dehors. Ça lui sera compté comme s'il avait fait la nuit. Donc moi je dis ton âme qui n'aime pas rester là en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'y a pas d'intérêt si il te dit non tu es fatigué tu peux te coucher tu dis ben si je me couche cet après-midi je vais quand même rattraper alors il va dire ah, donc fais-le vite voilà donc si on n'a pas pu s'imposer ce que l'on fait le matin ou le soir il faut le rattraper c'est mieux pour nous c'est mieux pour l'âme parce que l'âme il faut l'adopter. et mais ce n'est pas une obligation bien entendu parce que ce nafila on se l'est imposé mais Néanmoins, on doit, pour ne pas perdre ce qu'on faisait d'habitude, on doit rattraper. Si on rattrape, c'est mieux pour soi, bien que ce ne soit pas une obligation. Mais je dis simplement que ce n'est pas parce que tu as raté, tu as été occupé par les as été occupé par choses de la vie, tu n'as pas pu faire les choses que tu t'es imposé, Le mieux, c'est de les rattraper. C'est mieux pour toi même si ce n'est pas une obligation. Tu as parlé quand on fait du zikr avec le doigt tout à l'heure, de c'est le' dit de faire 33 fois. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi ça a c'est 33 fois en fait C'est de l'adoration. Je ne connais pas de hadith ou de parole de savant qui ait été jusqu'à expliquer pourquoi 33 fois. C'est père parce que Allah aime l'impère et la centième fois de dire la ilahilallah wa'adahu la sharikala. Mais 33, 33, 33, j'ai dit le soir par exemple, quand Fatima est venue le voir pour lui demander un assistant ou un esclave, il a dit 10 fois ou. Il a dit euh, 10, 10 fois, dans une version 20 fois. Donc le 33 fois, c'est un choix que Allah lui a inspiré. Je ne dirai pas pourquoi, je ne sais pas. Mais il ne faut pas faire, il ne faut pas faire 37 fois, parce qu'on aura inventé quelque chose. C'est une façon de se rapprocher d'Allah, donc on doit s'arrêter là où le professeur Sallam nous a dit. Il a dit 33 fois, il n'a pas dit 34, mais si on se trompe, bien entendu, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème, on prend pas de péché. Par contre, faire exprès. Il a dit 33 fois, mais donc si je fais 40 fois, c'est mieux. Non. Ça, c'est se prendre mieux que le prophète Sassalam, c'est qu'il devient un très grand péché pour ne pas dire qu'on risque de sortir de l'islam. 33, c'est 33. Si on se trompe, on n'a fait que 31 ou 35, il n'y a pas de mal. Mais on veut bien compter jusqu'à 33, et à moins qu'il y ait l'Alzheimer, on arrive quand même à compter jusqu'à 33. Euh, dernière question, Est-ce que en faisant du zikr, on peut prononcer le nom d'Allah seul Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, tout le temps. Ça, ça fait partie du zikr ou est-ce que Allah akbar, c'est un zikr qui a été légiféré. Mais le fait de dire, de répéter, comme certains égarés le font, Allah, 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 les savants disent que non seulement c'est une innovation parce que le professeur ne l'a jamais fait. Je veux dire pour se rapprocher d'Allah et en plus. Même Satan peut le faire. Ça ne fait pas rentrer dans l'islam. Ça ne prouve pas que l'on est musulman. Pour être musulman, il faut attester. Il faut dire la il illallah, ce qui fait rentrer dans l'islam. Donc le fait de dire Allah simplement, Wala man arda, la Allah. les polythéistes, quand ils leur disent qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Mais ce n'est pas le fait de dire Allah, ce n'est pas le fait de croire en Allah que ça fait rentrer dans l'islam donc les dikr les adkar, le pluriel c'est ce que nous a enseigné le professeur sallallahu alaihi wasallam subhanallah alhamdulillah voilà des expressions qui sont les meilleures que Allah nous a enseignées. C'est ce qu'il faut utiliser, ne pas aller chercher des expressions, soit Allah, 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 ou alors Hua, Hua, Hua. Ça veut rien dire, c'est lui, 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 c'est qui Parce que je pense avoir compris plus que les autres. Et souvent, c'est cette marginalité qui amène à l'innovation et qui amène à l'égarement, car nous en Et tout égarement amène à l'enfer, comme l'a dit le professeur, sallallahu alayhi wa sallam. je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous bon, y a des questions, je pense qu'on ne les traitera pas, parce qu'ils n'ont pas forcément un rapport avec le, le sujet du, du jour. Donc, je te laisse, inshallah, conclure et euh... annoncer ah le live de la semaine prochaine, inshallah. Fik Mohamed. Donc, ça, c'est l'autre Mohamed, Mohamed Adjaa. Et donc Karim, étudie euh, la technique, ils sont toujours constants ici. Et qu'Allah bénisse donc votre temps. Je dis simplement qu'il faudrait pas, moi je crois à la méthode couée, il faut se rappeler souvent, se rappeler souvent. Le professeur Saram a dit Mo'ad, il y a que je t'aime. N'oublie pas, à la, ne néglige pas plutôt à la fin de chaque prière. Et certains savants disent que c'est avant le salam. De dire Allahumma à ala dhikrika wa shukrika wa husni baratik, C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet donc de faire du dhikr. C'est lui qui nous permet de le remercier. Et que ces dix jours soient un début ou le départ, un bon départ, pour souvent, souvent, remercier Allah, faire beaucoup de dhikr et qu'à la fin et ce ne sont les jours qui suivent doivent être des jours meilleurs encore pour nous pour se rappeler souvent souvent Allah subhanahu wa taala et les meilleurs entre nous ce sont ceux qui se rappellent le plus Allah juste avant de terminer pour dire que le samedi prochain Allah, ce sera donc laïde il n'y aura pas de live il n'y aura pas de live exceptionnellement pour vous laisser vous occuper d'autres façons de vécre, de visiter vos familles, de euh, lier les liens de parenté, de visiter les malades, etc. C'est un jour de fête. Et donc, euh, c'est, inshallah du manger, du boire et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas vous inviter à 20h. Donc, samedi prochain, exceptionnellement. شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته